Madame, monsieur, tout est prêt. Prenez bien mon beau profil. Waouh, on est splendide. Comme toujours. N'est-ce pas merveilleux d'être riche? Oh, ils doivent être célèbres. Voilà pour vous. Vous savez ce que je veux. Oh, dit comme ça. Et voilà, félicitations. Comment? On va avoir un bébé? Je vais immortaliser ce merveilleux souvenir. Excellente idée! Chérie, tu es radieuse. L'infirmière, un peu moins. Il est adorable, pas vrai? Allons-y, ma chérie. Je vais aller choisir mon nouveau yacht. Et attendez-moi! On dirait que c'est à nous. Bonjour. Vous avez nos résultats? Vous avez l'argent? Mince, j'oubliais. Est-ce que ça suffit? C'est tout ce que nous avons. C'est du carton, c'est un signe de dollar dessiné dessus. Oui, c'est ça. Dans ce cas, tenez. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Tenez, prenez ça. Oh, c'est un genre d'indice. C'est encore flou. Attends, je vois quelque chose. Je suis enceinte. Dans mes bras, ma chérie. Je suis si heureuse. Félicitations. C'est affreux. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Quelque chose ne va pas, madame. C'est l'horreur. Avant, j'étais si mince. Mieux vaut que je ne dise rien. Ça ressemble à un piège. Vous êtes rayonnante, madame. Non, je suis énorme. Allez, cherchez mes vêtements. Tout de suite. Allez, dépêchez-vous. J'arrive, madame. Je vous ai apporté de magnifiques tenues. C'est à moi d'en juger. Je pense que ceci mettrait en valeur la lueur qui brille dans vos yeux. Oh, c'est gentil. Vous avez d'excellents goûts en matière de robe. Vous le pensez? Oh, c'est trop serré. Mon ventre ne rentre pas. Manifestement, la robe est mal coupée. Pourquoi ne pas essayer quelque chose d'un peu plus large? Ceci devrait mieux vous aller. Allez, je veux juste porter quelque chose de joli. Je savais que c'était une mauvaise idée. Nous avons encore beaucoup de choses à essayer. Celle-ci, je la sens bien. Je devrais peut-être essayer une approche différente. Fichu robe, rien ne me va. On a tout essayé. Pourquoi? Pourquoi faut-il que ça m'arrive? Le monde est cruel, tellement cruel. Il reste encore quelque chose. Mais ce n'est qu'une ceinture. Navré, madame. Attendez un peu. J'ai la solution. Ça va tout arranger. Ne bougez pas. Waouh, c'est magnifique. Je suis magnifique. Vous avez réussi. Et moi qui pensais vous licencier. Excusez-moi. J'ai quelque chose pour vous. Vous l'avez mérité. Je vais montrer au monde à quel point je suis belle. Je suis tellement heureux. Oh. Mieux vaut ne rien dire. Après tout, c'est pas si grave. C'est si bon d'être dehors. Je sais, cette journée est magnifique. Bientôt, nous irons nous promener avec notre bébé. Hein? C'était quoi? Oh non! Ma robe! Elle est coincée! Attendez, je vais tirer dessus! Je l'ai! Oh non! C'est peut-être pas une si bonne idée! Oh, vilaine table! Méchante table! C'était ma robe préférée! Oh, attendez, laissez-moi réfléchir! Il doit bien y avoir une solution! Une seconde! Regardez ça! Ma chérie, j'ai une idée géniale! Je vais dévaliser cette poubelle! Quoi? Les déchets des uns sont les trésors des autres! Oh, c'est chic! Je peux savoir ce qu'il se passe. Elle est un peu tachée, mais elle fera l'affaire. Regarde ça, chérie. Tu peux porter cette chemise. Oh, je n'arrive pas à croire que je fais ça. Elle sent mauvais. Une nouvelle victoire pour moi. Oh, oh, oh. Je peux pas la boutonner. Sacré bidou. Attends! Ne t'inquiète pas, je suis sur le coup. Donne-moi une seconde. Fais-moi confiance, je sais ce que je fais. C'est bizarre. Je n'ai pas terminé. Je vais boutonner les deux chemises ensemble. Comme ça, il y a de la place pour ton ventre. Maintenant, j'attrape les manches, une de chaque chemise, et je les attache par devant. Et voilà, qu'est-ce que t'en dis? C'est génial, j'adore. C'est très élégant. Tu es ravissante. Merci, chérie. Hé, c'est quoi ce délire? C'est ma chemise. Cours! Oh mon Dieu, combien tu pèses? Je veux récupérer cette chemise. Encore un tour aux toilettes. Quand il faut y aller, il faut y aller. Hein? Waouh, finalement toutes ces séances d'entraînement ont porté leurs fruits. Je vais faire comme si rien ne s'était passé. Miles s'en occupera plus tard.
j'ai des choses plus importantes à faire. Je ferais mieux de me mettre à l'aise, ça risque de prendre un certain temps. Ah, ça fait du bien. Oh, comment c'est arrivé là, ça? Oh, presque! Encore un peu! Allez, j'y suis presque! Non, Miles! Chérie, est-ce que ça va? Il me faut du papier toilette! Je m'en charge. Tu peux toujours compter sur moi. Tu sais que je ferai n'importe quoi pour toi. À part essuyer ton... enfin, voilà, quoi. Je vais le mettre sur les toilettes. Voilà, ma chérie. Je remporte le prix du meilleur compagnon encore une fois. Où est-ce que j'en étais? Je crois que j'ai terminé. Ah, il est trop loin. Oh, j'arrive pas à l'attraper. Oh, encore, Miles! Quelque chose ne va pas. C'est encore une urgence, papier toilette. Pas de problème, je suis ravie de t'aider. Essaye de la garder cette fois. Merci, mon chéri. Maintenant, je vais finir de lire mon journal. Je sais, je vais le poser sur mon ventre. Oups! Je crois que j'ai encore besoin d'aide. Miles! Hein? Quoi? Sérieusement? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça commence à bien faire. Il doit y avoir une solution pour régler ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je me demandais où il était passé. Laisse-moi réfléchir. Ça pourrait bien être la solution. Attends une seconde, c'est ça! Je vais coller ces crochets au mur. J'espère que ça va tenir. Ensuite, je place le support dessus. Maintenant, je vais y placer le papier toilette. Et voilà! Maintenant, il sera toujours à portée de main. Phew! Waouh, c'est une très bonne idée! Et elle arrive à point nommé. Je crois que j'ai fini. Je peux enfin me détendre. Je passe bien partout. Miles? Qu'est-ce qu'il y a encore? Je veux dire, oui, ma chérie? C'est à propos du porte-rouleau des toilettes. Quoi? Tu l'as cassé? Je tenais à te remercier. C'est ingénieux. Vraiment, ça te plaît? Si tu es heureuse, alors je le suis aussi. Je t'aime, ma chérie. Maintenant, laisse-moi un peu d'intimité. Je peux enfin lire mon journal. Ça ne devrait plus être très long. Je pense que c'est bon. Regardez ce que je dois faire. Il faut vraiment que je trouve un nouvel emploi. Voilà qui devrait vous convenir, madame. C'est chaud et agréable. Je ne suis pas assez bien payée pour ça. Ah, personne ne vous parle des pipis incessants quand vous êtes enceinte. C'est la 8e fois ce matin. Je vais me mettre dans l'ambiance. C'est beaucoup mieux. Ah, c'est peut-être un peu trop. Je ne le sens toujours pas. S'il vous plaît. Vous m'avez demandé, madame. Permettez-moi de jouer quelques classiques pendant que vous faites pipi. Laissez-vous porter et entrez dans un état de relaxation. C'est très joli. Vous avez beaucoup de talent. Quel est cet horrible bruit strident? Ça me fait mal aux oreilles. La 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 la. Je suis une merveilleuse chanteuse. Qui vous a dit ça? Ça ira. Nous avons terminé. Quel soulagement! Je crois qu'il faut que je m'allonge après un truc pareil. Ça prend une éternité! Je pourrais regarder la télévision. Ça m'aide toujours à passer le temps. Je l'ai déjà vu. Suivant! Non, pas ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, attendez. Ça a l'air bien. Attendez, il se passe quelque chose. Ah, ça fait du bien. S'il vous plaît, j'ai terminé. Votre papier toilette, madame. Bon essuyage. Merci. Qu'est-ce que c'est? Hein? De quoi est-ce que vous parlez? Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Très drôle. Sortez d'ici. Je vous en prie. Je n'utilise que le papier hygiénique le plus cher. C'est clairement pas suffisant. Mettez-vous à l'aise. J'ai hâte qu'on commence. J'ai vraiment besoin de me faire dorloter. Non! Je savais que vous alliez dire ça. Les pièces d'or sont peut-être plus à votre goût. Je vais vous les frotter sur le ventre. Ça permettra au bébé de s'habituer aux choses les plus raffinées de la vie. Et ça vous fera du bien. Oh, c'est très agréable. Détendez-vous, je suis là pour vous. Il nous faut plus d'or. Après tout, il n'y en a jamais assez. C'est ce que je dis à mon mari. Que diriez-vous d'un soin du visage monétaire traditionnel? Il possède de nombreuses propriétés curatives. Ok. C'est bizarre. Ça veut dire que ça fonctionne. Aïe, je crois que je me suis coupée avec du papier. On continue, vous allez adorer le prochain traitement. Je l'espère. C'est un massage au diamant. Il sert à intervenir directement sur les zones de tension. Il apaise et soulage les muscles. Oh, j'aime bien. C'est tout à fait unique. Je me sens super bien. Ne vous arrêtez pas.
Attendez, je dois retourner les diamants. Ça va activer vos globules blancs. Aïe! Aïe! Waouh, il faut souffrir pour être belle! Poursuivons, je vais avoir besoin de gants pour la suite. Qu'est-ce que vous faites? Ouvrez grand! Quoi? J'ai remarqué les premiers signes de rides autour de votre bouche. Vous avez dit des rides? C'est un peu bizarre! Vous en avez encore pour longtemps! Salut! Ce n'est pas ce que vous croyez! Vous savez quoi? Prenez votre temps! C'était qui ce type? Je ne l'ai jamais vu auparavant. Enfin bref. Heureusement que j'ai utilisé du fil dentaire, hein? Puis-je récupérer mon doigt? Oups, désolé. Voilà, nous avons terminé. Je n'en reviens pas. Ma peau est toute lisse. C'est extraordinaire. Que diriez-vous d'un petit pchit? Avec ça, vous allez briller. Merci beaucoup, je ne me suis jamais sentie aussi bien. Vous êtes une faiseuse de miracles. Au revoir. Ouf, elle est partie. Ah, j'avais besoin d'une journée de farniente. Waouh, regardez ça. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Sans blague, regardez ma peau. On dirait que j'ai un volcan sur le front. Hey, tu veux bien faire un peu attention à moi? Je voudrais un soin du visage, moi aussi. Quoi? Ça a l'air assez cher. Du coup, je dois supporter ce bouton. Très bien, je vais voir ce que j'ai. Donne-moi une seconde. C'est bien ce que je pensais, je suis toujours fauchée. D'où est-ce que ça vient, ça? Désolée, ma chérie. C'est tellement injuste. Hé, ne me laisse pas dessus, s'il te plaît. Ça pue? Hein? Tchoum! Dégueu! C'est naturel. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Attends, ça me donne une idée. Donne-moi un instant. Je suis sûre d'avoir vu une autre chaussette traîner là. Ah, je l'ai trouvée. J'espère que ça va marcher. C'est parti. Tu te moques de moi? Tchoum! Waouh, c'est vraiment cool. Je pense que ça devrait suffire. Maintenant, j'ajoute mon ingrédient spécial, les bonbons et un peu de pop-corn. Tout le monde aime les donuts. Maintenant, je peux les écraser ensemble. Waouh, regardez-moi ça. C'est parfait. T'es sûre que ça va marcher? Ça va faire disparaître cet affreux bouton. En plus, ça a l'air délicieux. Hé, ne mange pas mon masque de beauté. Arrête, c'est à moi. Oh, ce n'est pas juste. Mais bon, c'est ton moment de détente. Merci, chérie. Vous avez de la chance que je sois médecin, parce que vous allez bientôt comprendre votre douleur. À l'attaque! Quelle heure est-il? Oh, j'ai un patient. Je dois avoir l'air professionnel. Je ferais mieux de me préparer. Elle est très exigeante. Ça a l'air mignon. Voilà, ça devrait suffire. Tout a l'air en ordre. Je ferais mieux de ranger ça. Ahem, entrez. C'est un plaisir de vous voir. Elle paye toujours bien. Permettez-moi. Oh, ça a l'air sympa. C'est très doux. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Ce n'est pas une blouse de laboratoire. Je confonds toujours. Comment allez-vous? Bien, mon ventre grossit. Jetons un coup d'œil, ça risque de chatouiller. Mais on devrait voir votre bébé. Oh, elle est adorable. Attendez, laissez-moi voir l'écran. Maman, maman. Ce n'est pas normal. Le bébé est en bonne santé. Attendez, qu'est-ce qui ne va pas? Mon bébé est ma petite princesse. Elle devrait avoir un diadème. Non, ce n'est pas possible. Et maintenant? Qu'est-ce que c'est? Oh, ça brille. Dit comme ça. Attendez, non, j'ai une éthique. Ah, quel petit lèche-botte. Est-ce que ceci vous ferait changer d'avis? Waouh, ça brille deux fois plus. Mais non, cela va à l'encontre de tous mes principes. Vous n'êtes pas très amusant. J'espère que vous le savez. C'est ma dernière offre. Qu'en dites-vous? Waouh, est-ce une manette plaquée or? J'adore les jeux. Bon, d'accord. Comment est-ce qu'on procède? Il vaut mieux que vous ne le sachiez pas. Qu'est-ce que... Heureusement que je suis douée en apnée. Hé! Ne faites pas n'importe quoi là-dedans! Je vous ai à l'œil, je vous préviens. Oh, il se rapproche. Ne t'inquiète pas, ma chérie, tout ira bien. Bonjour, je suis le médecin de ta maman. Je viens te porter ta couronne. C'est pile la bonne taille. Elle est adorable. C'est l'heure de rentrer. Ah, là, c'est mieux. Ouf, c'est bon. J'ai réussi. Vous êtes le meilleur. Merci pour votre aide. Pas de quoi. Je peux enlever ça maintenant? Oh oh! À l'aide! Oh, qu'est-ce que c'est? On dirait que j'ai touché le gros lot.
qui se débarrasserait d'un stéthoscope en parfait état. Oh, un message. Oh non, mon rendez-vous. Je l'avais complètement oublié. Et je n'ai pas d'argent pour m'y rendre. Pourquoi ça m'arrive à chaque fois? J'imagine que je ne verrai pas mon bébé aujourd'hui. Attendez une seconde, qu'est-ce que c'est? Waouh, j'entends la nature. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Excusez-moi, pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous écouter mon bébé? Vous savez que je suis folle, pas vrai? Mais bon, comment refuser? Si seulement ma mère pouvait me voir là tout de suite. Ça gargouille beaucoup. Ouais, j'ai mangé un burrito tout à l'heure. Attendez, je crois que j'ai trouvé le bébé. Voulez-vous le voir? Je vais vous faire un dessin. Hein? Vous pouvez faire ça? Je vous l'ai dit, je suis folle. Je peux faire tout ce que je veux. Attendez, c'est peut-être mon heure de gloire. Je peux voir? Patience. On ne brusque pas une artiste. C'est bientôt terminé, voilà. Elle a vos yeux. Waouh, quel soulagement. Elle ressemble un peu à un bonbon. Oui, mais si vous plissez les yeux, il vous ressemble. Attendez, je vais vous donner quelque chose. Nous y voilà, le jour de paye. Merci beaucoup. Non, merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée. Elle va l'être. J'aime l'argent liquide. Attendez, du chocolat? Je me suis fait avoir. Vous venez de vous faire une ennemie, madame. Comment ça va là-dedans, bébé? Oh, bonjour, maman. Bonjour. Regarde ce que je t'ai apporté. Une pastèque entière. Mais ce n'est pas pour manger. Oh non, c'est pour t'entraîner. Tiens, pourquoi tu n'essayes pas d'envelopper cette pastèque comme un bébé? On plie comme ça. Et voilà, le bébé melon est maintenant bien emmailloté. Oh là là, joli. Mais ce n'est pas tout. Oh, tu es en train de manger le bébé melon? Ouais, en fait, j'ai juste très faim là tout de suite. Bon, je suppose que le reste de mes leçons sur les bébés s'arrête ici. Ok, d'après la vidéo, je dois plier la couverture comme ça. Je vais recommencer. Salut, je vais t'apprendre à emmailloter ton bébé. Tu as besoin d'une couverture pliée en forme de triangle. Et ensuite, bien sûr, tu auras besoin de ton bébé. Cette poupée fera l'affaire pour l'instant. Mets ton bébé au milieu, puis replie la partie inférieure. Ensuite, prends un des points latéraux et replie-le au milieu. Oh non, je suis en train d'étouffer le bébé. Et bien t'assurer de faire un côté, puis l'autre. Et ton bébé sera bien emmailloté, comme ça. Ta-da! Voilà, ton bébé est bien au chaud. C'est aussi plus pratique pour le bercer et le porter. Ok, peut-être que si je le plie comme ça ici, et puis comme ça, ou alors comme ça, et maintenant je berce le bébé. Oh, j'ai besoin de passer un coup de fil. Hein? Un appel téléphonique? Attends une seconde. Bonjour, comment je peux vous aider? Oh oui, bien sûr, j'arrive tout de suite. Excellent, maintenant je n'ai plus qu'à attendre. Oh, il est là! Bonjour, très bien, laissez-moi vous aider avec un peu d'enseignement pratique. Voici votre bébé. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Oh, attention! Voilà, maintenant commençons. Wow, son ventre est vraiment très gros! Ouh, il est fort le petit! Il aime bien s'agiter celui-là, hein? Ah, pardon, je voulais dire, ils aiment bien s'agiter ces deux-là! Quoi? Deux? Oui, deux, pas de doute! Je suis content de ne pas être à votre place! Tu es prêt? Parce que moi, oui! Wata! Le double coup de pied des jumeaux! Des jumeaux? Oh mon Dieu! C'est trop de boulot! Merci de m'avoir prévenu, docteur. Tiens, ma patiente suivante. Asseyez-vous. Installez-vous bien confortablement. Maintenant, voyons ça. Waouh! On dirait que vous avez un petit ange là-dedans. Comme il est mignon! J'ai vraiment hâte de le voir, mon petit ange! Quelle journée intéressante! Qui aurait cru que je verrais deux grossesses si différentes aujourd'hui? L'une d'elles va être beaucoup plus facile que l'autre. Tellement faim! J'attends ça depuis ce matin! Un bon piment et du Nutella! Délicieux! Il y a un serveur par ici? De l'eau, madame! Bonjour, j'ai un service à vous demander. Je vais demander ma copine en mariage. Vous pouvez m'aider? Non? Oh, j'ai compris. Aucun problème. Où est-ce qu'elle est? Là-bas. Je gère.
La bague est là. Bonne chance. Qu'est-ce que c'est stressant? J'aurais dû mieux me coiffer. Mon peigne! Je ne sais pas comment je peux manger ça, mais c'est trop bon. J'en veux plus! Encore plus! Oh non, j'ai du chocolat sur ma fourrure. Je ne peux pas porter ça. Bon, où j'en étais? C'est trop romantique. Je vais cacher la bague dans le gâteau. Attends, c'était pour quelle table déjà? Gauche ou droite? Je suis sûre qu'il a dit gauche. Voilà votre gâteau! Je n'ai pas commandé ça! Faites-moi confiance, il va vous faire plaisir. Coucou chérie, désolée d'être en retard. Pas grave, j'ai eu un gâteau gratuit. Sympa, il a l'air bon en plus. Aïe! Il y a quelque chose de dur à l'intérieur. Oh, mais non! C'est pas possible! Je ne sais pas, surprise! C'est bon, je suis bien. C'est parti! Oh, c'est trop injuste! Salut chérie! J'espère qu'il y a une bague là-dedans. Des fleurs? C'est tout! Hé! Hey, la bague! Tout est sous contrôle! Où est-ce qu'elle est? Une bague? Je ne sais pas de quoi tu parles! Vraiment? Ma mère m'avait dit de me méfier de toi! Mais chérie! Attends! C'est ma bague! Elle est magnifique! Alors, vous allez rire! Allez, piochons un prénom en même temps! J'ai ma carte! Vicky! Non! Sophie est un meilleur choix! Non, Vicky! Sophie! Ce sera Vicky! Sophie! J'ai dit Vicky! Oh! Alors, ce sera Vicky, d'accord? Bien sûr, Vicky! Laisse-moi juste mélanger ces cartes. Maintenant, je vais les éparpiller. Ok, c'est prêt. Assieds-toi. Voici les prénoms. T'en dis quoi de Bella? Lana est un meilleur choix. Quoi? Bella est clairement un meilleur choix. Allez, Bella signifie belle. Tu ne me feras pas changer d'avis. Oh, vraiment? Qu'est-ce que tu dis de ça? Je vais prendre ça. Et ça, c'est pour toi. Bonjour madame, vous êtes prête? Vous avez vos lunettes de soleil? C'est parti! Ouais, Lana, j'approuve complètement! Ah, heureusement que ça me va encore. Je ne l'ai acheté que la semaine dernière. Ah, j'imagine que ce n'est pas assez bien. Ah, je n'en veux plus. Ça, c'est beaucoup plus mon style. Ah, je devrais être rayonnante maintenant. On s'en débarrasse. Celle-ci aussi. Oh, prends tout. Betty, les hormones font encore des siennes. Non, attends, on peut aller faire du shopping. Encore un point et on gagne. Oh, ce pantalon ne me va plus. Ce truc n'est pas pour les femmes enceintes. J'aimerais trop pouvoir faire du shopping. Tu regardes quoi? Ma réponse était là pendant tout ce temps. Voilà. Les vieux vêtements de mon mari sont le nouveau trésor d'une femme. Cette émission est trop cool. Ouais. J'espère qu'elle va me rendre mes trucs. Je me demande quel est le premier défi. Une seule façon de le savoir. Allons-y. Oh, du caviar. Quel délicieux amuse-bouche. Normalement, c'est le personnel qui le fait pour moi, mais je vais m'en charger. Rien que le meilleur pour mon petit. Tout simplement divin. Ça a l'air bon. Du pain tout simple. Ce n'est pas si chouette. Peut-être que je peux l'améliorer un peu. J'ai compris. C'est exactement ce que je vais faire. Pimenter le tout. Beaucoup. Je vais ajouter des petits points pour que ça ait l'air chic. Beau et régulier. C'est fait. Ça fait classe. Et regarde, j'ai aussi du caviar. Tu en veux? C'est un beluga? Bien sûr. Pourquoi donc? Profite. C'est piquant! Ah!
hiboux ne sont pas assez sophistiqués pour ça. Pourquoi fait-il si chaud? Peut-être que ce n'était pas une bonne idée. Je dois faire quelque chose. Tiens, prends cette eau. Oh, merci. Ok, ce n'est pas si mal. Merci, maman. Ce n'était pas très sympa. Aucune idée de ce dont tu parles. Deux femmes enceintes avec deux gros appétits. C'est si joli. Les bébés ont envie de tomates. Délicieux. Je ne sais pas trop. Tant que c'est assez sucré. Burk, c'est dégoûtant. Enlevez-moi ça. Je suis désolée. Oh. Qui a commandé ceci? Ah, là, on peut parler. Attendez, venez voir. J'ai dit maillot, moutarde, salade, cornichon. Oh, tout de suite. Je pense que vous apprécierez ça. Vous aimez le sucré salé? Vos désirs sont des ordres. Je vais mettre la dose. Voilà. Et maintenant, la crème chantilly. J'imagine que vous en voulez beaucoup, non? Oh oui, nous y voilà. Ça m'a l'air parfait. Et que diriez-vous d'un peu de vermicelle? Voilà, bon appétit. Cette fille a lu dans mes pensées. Salut toi, viens voir maman. N'oublions pas la viande. J'ai l'impression que c'est Noël. Délicieux. Oh oui, c'est excellent. Je ne me suis jamais sentie aussi heureuse. J'adore être enceinte. Tu en veux, Bella? En fait, ça m'a coupé l'appétit. Ouf, je commence à avoir faim. Le bébé doit avoir faim aussi. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Une peau de banane, trop de chance. Non, pas bon. Il doit bien y avoir autre chose. Allez bébé, allons vérifier le frigo et voir si on peut trouver quelque chose. Eh bien, je ne vois pas grand-chose. Non, il n'y a absolument rien là-dedans. C'est complètement vide. Je vais devoir chercher autre chose. Oh ouais, c'est trop cool ce truc. Excusez-moi, bonjour à vous. Y a-t-il une chance que vous vouliez partager votre nourriture? Hein? Ok, bien sûr. Voilà, tu peux prendre ça. Oh waouh, merci beaucoup. Regarde bébé, une boîte entière juste pour nous. C'est vraiment bon, hein? Tiens, tu peux prendre de mon soda aussi. Oh, non merci. Allez, c'est l'heure des selfies. Être enceinte a vraiment donné à ma peau un éclat fantastique. Oh mon dieu, je suis soudainement affamée. Oh bébé, j'imagine que tu dois avoir faim aussi. Trouvons donc une solution. Je vais passer un coup de fil rapide pour régler ça. Oui, moi et mon bébé allons avoir besoin de quelque chose à manger dès que possible. Voici votre commande, madame. Et votre sac aussi. Excellent, vous pouvez y aller. Ça sent bon. Voyons voir. Oh, j'ai des sushis. Mais sans poisson cru pour la santé du bébé. Et bien sûr, j'ai aussi des cupcakes, car je le vaux bien. Et puis une tarte aux fraises entière et ma pizza aussi. Et quelques pommes. Excellent. Je suis enfin prête à m'y mettre. Par où je commence? Les sushis, les desserts, la pizza? Je ne veux rien de tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est un biscuit sur l'oreiller. Viens ici. Ça sent trop bon. C'est exactement ce que je veux manger. Hein? Attends, ces gens mangent directement dans des boîtes de conserve? Oh waouh, je peux le sentir d'ici. Ça sent tellement bon. Hé, viens ici tout de suite. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Excusez-moi, ceci m'appartient maintenant. Voilà, mademoiselle. Je vous ai pris les sardines en boîte. Excellent. Ça sent si bon. Je ne peux plus attendre. Oh, dormir est si difficile quand on est enceinte. Psst, chérie, tu es réveillée? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Tu peux aller me chercher quelque chose à manger? On a faim, moi et les bébés. Voilà, je t'ai apporté un encas. Merci beaucoup. J'ai fait une petite sélection. Non, ce n'est pas ça que je veux manger. Je sais, apporte-moi encore des fruits. Des fruits? Mais tu as vu l'heure? Il est 3 heures du matin?
s'il te plaît, pour moi et les bébés. Je ne sais même pas où je peux en trouver. Voyons. Oh non, ils sont fermés. Ce magasin aussi. Bon, il faut que je prenne les choses en main. Non, j'ai raté le train. Mais je crois que j'ai une idée encore meilleure. Ah, il n'y a rien de mieux que l'avion pour voyager. Bon, maintenant, trouvons des fruits. Il doit bien y en avoir quelque part. Oh mon Dieu! Oui, j'ai trouvé! Par ici, délicieux fruits! Venez dans mon bocal! J'arrive pas à croire que j'ai réussi! Je suis rentrée et j'ai trouvé tes fruits! Chérie, réveille-toi! Les fruits! Les fruits? Non, en fait, j'en veux pas. Elle a mangé toutes les friandises que j'avais apportées. Mais j'ai fait un si long voyage. C'est pas juste. Oh, je crois que j'ai faim. Chérie, réveille-toi. J'arrive pas à dormir. Ok, prends ça et essaye de te mettre à l'aise. Tu veux cette fleur? Ou peut-être un peu de musique? Que dirais-tu d'un poulet rigolo? J'ai du joli papier toilette. Regarde, une liasse de billets. Bon, il est temps de passer aux choses sérieuses. Un chiot! Super, c'est exactement ce que je voulais. Merci beaucoup, mon amour. Tu peux te rendormir maintenant. Quelle super nuit! Fais du bien, mon bébé. La journée a été longue. Je vais aller me coucher. Ouh, ce n'est pas confortable. Non, ça ne va pas du tout. Comment est-ce que je peux bien m'installer? Attends voir. Oh, je sais. Je dois bien pouvoir trouver quelque chose là-dedans. Non, ça ne va pas. Il n'y a que des ordures là-dedans. Attends, ce pneu peut faire l'affaire. Maintenant, plus qu'à le faire rouler jusqu'à la maison. Enfin rentrer, je vais glisser mon ventre à l'intérieur. Ah, ça rentre parfaitement. Bonne nuit, mon petit cœur. Oh, cet oreiller, ça reste inconfortable. Faites quelque chose. Essayez ce coussin. On dirait mon chien. Oh, qu'est-ce que je suis bête. Pardon, madame. Maman ne voulait pas s'énerver. Là, là. Comment vous trouvez ça? Il est en or, incrusté de pierres précieuses. Je préfère ça. Il a l'air bien luxueux. Ça ira. Très bien, madame. Ah, au lit. Il y a quelque chose qui me fait mal. Oh, c'est absurde. Ce sont les pierres précieuses. Elles sont trop pointues. Pourquoi est-ce qu'elles ne s'enlèvent pas? Oh, je veux juste dormir. Un marteau, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie de faire ça, mais il le faut. Ça ne fonctionne pas. Il faut que je le casse. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que j'ai des domestiques. Vous n'êtes pas très confortable? Arrangez-moi ça. Ah, pardon, madame. Je vais essayer comme ça. Ne bougez pas. Bonjour. N'hésitez pas à vous asseoir. Excusez-moi, pourriez-vous augmenter la température de la pièce? Aucun souci, madame. Bonjour, j'ai hâte de m'asseoir. Waouh, il fait très chaud par ici. Monsieur, pourriez-vous diminuer la température, s'il vous plaît? Bien sûr, aucun problème. Oh non, il fait trop froid. Pourriez-vous modifier à nouveau la température? Beaucoup mieux. Oh, je suis en sueur. Plus chaud. Non, plus froid. Plus chaud. Non, plus froid. Ah! Je m'en vais. Waouh, il est vraiment très théâtral. Je pense que nous devrions laisser ce dernier défi derrière nous. C'est possible.
ça n'a pas l'air très bon. Ça a l'air sec. Oh bah, c'est toujours de la nourriture. C'est comme manger du carton. Oh, non, je n'aime pas ça. Attends, je sais. Je vais mettre le burger dans ce bol. Verse un peu d'eau chaude. Du délicieux ramen. Ça, c'est un repas. C'est très basique. Heureusement pour moi, j'ai ce burger en argent. Si bon et cher. Oh, mes dents! Tellement de joyaux. C'est joli, mais pas vraiment comestible. J'aimerais avoir des nouilles. Elles ont l'air si bonnes. Ne t'inquiète pas, princesse. Maman aura bientôt à manger. C'est mal poli de fixer. Tu veux des ramen? J'aimerais bien en goûter. Et tu peux avoir ça. J'en ai marre des hamburgers en argent. Je n'ai pas besoin de cette brioche. Ching-ching! Parfait! C'est ce que j'appelle un échange. Comment va le petit? Oh, allez! Elle peut faire ça? Ce n'est pas juste. Oh là là! Cet endroit est une vraie porcherie. Comme si j'avais besoin de faire du ménage. C'est pas facile. Oh! Peut-être comme ça? Ah! Bella, je suis rentrée. Oh, j'ai tout nettoyé pour toi, chérie. Phew. Ne dis rien. Je sais que tu as passé une dure journée. Très stressante. Reste assis et savoure un bon café. Un petit massage. Ah, j'ai la meilleure femme du monde. On forme une équipe parfaite. Oh, j'ai faim! Oups, je ne veux pas manger ce truc. Je ne peux même pas me pencher pour la ramasser. Oh là là! Chaton! Quoi? J'ai fait tomber une chips. Et des chaussettes. Ok. Assure-toi de ne rien laisser, bébé. C'est un vrai chantier, ici. Hey, c'est pas mal comme ça. Continue. C'est dur, une grossesse pour la maman et le papa. Parle pour toi. Oh bébé, tu es si mignon. Ok, on va s'entraîner à s'habiller. On va mettre ce t-shirt sur ta tête comme ça. Oh, oh bébé, ce t-shirt est bien trop grand pour toi. Ouais, ok, ça ne va pas du tout. Ah, bébé, qu'est-ce qu'on va faire? Je n'ai que des vêtements de seconde main pour toi. Attends une seconde. Je vais essayer quelque chose qui, je pense, pourrait servir. Faisons quelques coupes sur ce t-shirt trop grand. Quelques-unes par-ci et c'est bon. Voilà, j'ai fait un t-shirt parfaitement adapté. Mais maintenant, il va falloir que je l'assemble. Cette agrafeuse devrait faire l'affaire. Qui a besoin d'une machine à coudre quand on a une agrafeuse? Il faut juste ajouter des agrafes tout le long des deux côtés de la chemise. Faisons un essai. Mon chéri, ça te va parfaitement. Tu es si mignon dans ton nouveau t-shirt. Tu es absolument adorable. Oh, aucun de ces vêtements n'est digne de nous. Je veux dire, regarde-moi ça. Non, non. Vraiment pas. Voilà, je vais devoir passer un appel maintenant. Ouais, aucun de ces vêtements ne convient du tout. Bien, vous êtes là. J'ai besoin de vêtements de bébé sur mesure. Eh bien, le bébé n'est pas encore né, mais laissez-moi prendre quelques mesures. Ok, très bien, je vois. Ça devrait le faire. Je pense que j'ai ce dont j'ai besoin. Laissez-moi vous trouver une tenue. Voilà pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oh mon Dieu, c'est trop mignon! J'adore, c'est absolument parfait! Bébé, regarde ce que maman a pour toi. Allez, tendez les bras et touchez vos orteils. Mon ventre me gêne un peu. Ah, bien sûr, mais pas d'inquiétude. Je sais quels exercices nous pouvons faire. On s'assoit sur la balle et on respire profondément. Ok, à ton tour. Ouh, la balle rebondit bien. Mais un peu plus lentement, bien calmement. Respire profondément. Respirez profondément, ça je crois que je peux le faire. Ce cours est génial, je ne suis pas du tout fatiguée. N'oublie pas de bien respirer. Ah, oui. Très bien. Ok, passons à l'exercice suivant. On va faire le pont. Ça va vraiment vous étirer les jambes.
Allez, essayez. Ne forcez pas trop. Très bien. Oh, gardez vos jambes bien droites. Ok. Ouf. Oh non. Oh là là, quelle odeur. Vite, de la sauge immédiatement. Je ne sais pas si ça va suffire. C'est bon, je crois que ça a marché. Vous pouvez arrêter maintenant. Allongez-vous sur le dos à présent. Très bien, mesdames. Ça devrait bien vous redresser le dos. Maintenant, on s'assoit et on salue la divinité. Namasté. Et toi? Oh, elle s'est endormie. Madame, on se réveille. Il faut que je la secoue. Oui, donne-moi encore des fraises. Oh non, je suis coincée. Heureusement que j'ai mes herbes aromatiques. Je vais devoir méditer pour rester calme. Dieu merci, une place de libre. Oh, tu vas bien, bébé? Oh, je peux? Peut-être qu'il va donner un coup de pied. Waouh, ça pousse, hein? C'est tellement magique. Oh là là, je peux? Merci. Salut, petit bébé. Salut. Plus on est de fous, plus on rit. Tant que je peux rester assise. Oh, l'usage de mes doigts va me manquer. Tu peux répéter? Ça t'apprendra à toucher le ventre d'une femme enceinte. Sans lui demander sa permission. T'as peur, hein? Tu veux toucher mon ventre maintenant? Tu veux? Ouh! Viens me le dire en face. Cours! Quelle naze! Maintenant, j'ai le banc pour moi toute seule. Ouais, juste toi et moi, bébé. Pas de mains étrangères. Ces chaussures sont trop mignonnes. Toi aussi? Tu les aimes bien? Tu as autant de goût que maman. Allez, je vais les mettre. J'y suis presque. C'est trop dur. Il faut qu'on m'aide. Je vais mettre ces chaussures. Pas de problème. Ce serait un honneur, comme Cendrillon. Et je suis le prince charmant. Comment vous trouvez, madame? Elles sont très belles. Je ne suis pas certaine. Non, j'ai changé d'avis. J'en étais sûre. On va essayer celle-là. C'est la dernière paire. Par pitié, qu'elle vous plaise. Pas mal. C'est vrai? Je n'y crois pas. Votre sac. Quelque chose ne va pas? Je ne peux pas porter de talons. J'ai une idée. Donnez-moi vos chaussures. Mais... Très bien. Oh, je me sens vulgaire. J'ai l'impression d'être une princesse. Oh, j'y suis presque. C'est bon, j'ai réussi. Ce n'était pas si terrible. Et maintenant, il faut faire les lacets. Comment font les autres pour faire ça? Je ne vais pas y arriver. Bon, il est temps de faire preuve d'imagination. Ça ne doit pas être si dur. Attends, ça pourrait fonctionner en fait. Retire les lacets de ta basket. Ensuite, fais passer un élastique dans les œillets. Fais un nœud avec élastique. Serre-le bien. Fais passer l'élastique dans l'autre œillet. Et fais un autre nœud. Glisse les nœuds sous la languette. Répète le procédé avec tous les œillets. Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? C'est beaucoup plus simple à enfiler. Waouh! Quelle bonne sieste! Voyons voir, qu'est-ce que je pourrais manger? Oh, des restes! C'est toujours exquis. Je vais juste les mettre un peu au four à micro-ondes. Maintenant, j'ai juste à attendre. Hein? Le four ne fonctionne pas? Allez, fonctionne! Oh,
Quelle déception! La pizza est toute congelée! Elle n'a pas du tout chauffé! Impossible! Elle est trop froide pour que je puisse la manger! Et si... Et voilà! Souffle de chaleur à la rescousse! Yam! C'est trop bon! Pile ce que je voulais! Tu as faim, mon bébé? Moi aussi! Je vais nous trouver quelque chose à manger! Oh! Pourquoi pas ce yaourt à la fraise? Ce sera très bon! Bon, où est ma cuillère? Ce yaourt est pas mal. Mais ce n'est pas vraiment ce que je désire. Oh! Ce que je veux vraiment, c'est une glace. Rendons ce yaourt un peu plus froid. Oui! Maintenant, j'ai un yaourt glacé. Miam! C'est tellement meilleur maintenant. Délicieux! Qu'est-ce que c'est cette fois-ci? J'ai tellement faim! Oh, je suis désolée! Vas-y d'abord! Merci! Une clé en or? Comme c'est fascinant! Je me demande à quoi elle sert! Quelque chose est en train de se passer! Où suis-je? Oh! Waouh! Oh mon Dieu! C'est incroyable! Je ne peux pas le croire! Elle est partie? Bonjour! C'est vraiment bizarre! J'espère qu'elle va bien! Je suppose que c'est juste nous deux! Hashtag selfie! Qu'est-ce que je fais maintenant? Oh, un message! Incroyable! Elle a droit à un château de bonbons! J'en veux un! C'est bon, mais j'ai une meilleure idée! Exactement ce dont j'ai besoin! Je pense que je suis prête! C'est un excellent moyen de soulager le stress! Presque fini! Mon propre petit château! Je suis plutôt heureuse avec ça! Le meilleur château de tous les temps! Je pourrais manger ça toute la journée! Où est-il? Je n'avais pas fini! Oh! Tu es de retour! Super! Hé! C'est tellement agréable de te voir! Oh! Comme c'est mignon! Je le veux! C'est si bon! Oh! Tu as mangé ça? Oh! C'était ma nourriture! Je suis désolée! Je pensais que tu avais fini! Peu importe! Je mange pour deux! C'est donc ça que les bébés mangent? Fascinant! Je peux faire ma propre nourriture pour bébé! Heureusement, j'ai tout ce qu'il faut! Ça devrait faire l'affaire! J'espère que bébé aime la banane! Juste quelques grammes? Pas trop! Parfait! L'eau doit être parfaite! Et top! Laissons faire la magie! Plus c'est long, plus c'est bon! Et on mélange! Ça me paraît bien! Il faut toujours tester en premier! Oh, ça sent bon! C'est délicieux! Tu aimes bébé? Oh, trop mignon! Nous avons une vraie connexion. Hein? Les bébés mangent ça? C'est incroyable! Et je dois faire ça moi-même? Ah, ça ne doit pas être sorcier. Oups! Personne n'a rien vu. J'espère que la table est propre. Bon, et après? Un peu d'eau. On va dire que c'est bon. Il faut juste mélanger un peu. Oh, dégueu! T'aimes ça, toi? Bah non, ça ne m'étonne pas. Je ne te forcerai pas à manger ça. Tu vas goûter les saucisses. En plus, je sais bien les préparer. Je vais te mettre ça dans un biberon. C'est le combo parfait. Sucré-salé, génial! J'espère que mon bébé aime les câpres. Allez, un petit extra. J'allais oublier le meilleur. Un peu de coca. Les bébés peuvent en boire, non? C'est une idée géniale.
Pas trop. Oh, délicieux! Le dîner est prêt, mon bébé. Quelle belle couleur! Alors, tu aimes? Je vais être géniale en tant que maman. Lorsque vous êtes sur le point d'avoir un enfant, la vie commence à changer et ce, peu importe l'argent que vous avez à la banque. Les nuits blanches et les couches sales touchent tout le monde, mais ça en vaut la peine. Quelles sont les choses amusantes que font vos parents? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci.